C'est le dernier sommet européen pour la chancelière allemande Angela Merkel. Hier, deux sujets étaient au cœur de la table des négociations. D'abord, faut-il se montrer ferme ou dialoguer avec Varsovie? Bruxelles a fait le choix de tempérer. Pour le moment, la Commission ne prendra aucune mesure contre la Pologne en espérant que le pays agisse. Autrement dit, qu'il reconnaisse le droit européen comme supérieur au sien. Mon message était un peu vers nos collègues polonais de dire n'attendez pas l'action de la Commission. Vous pouvez prendre des actions vous-même et ne pas attendre que la démarche de la Commission porte des résultats. Tout le monde a accentué le fait que la Commission, comme le gardien des traités, doit continuer à jouer son rôle. Autre question en suspens, comment faire face à l'augmentation des prix de l'énergie? Les 27 ont salué les outils utiles proposés par la Commission, mais le Premier ministre tchèque a tout simplement bloqué l'adoption de conclusions sur le sujet. Il dénonce la spéculation de certains États sur le marché européen du carbone, mais selon les experts, ce dernier ne représente qu'un cinquième de la hausse des prix de l'électricité. Le sommet doit se poursuivre aujourd'hui.